Bonjour à tous, on a ici un iPad pour lequel on ne peut pas passer en mode récupération puisque le bouton Home ne fonctionne pas, il n'y a que les boutons de volume ainsi que le bouton Power qui fonctionnent. Donc l'idée, eh bien, ça va être de basculer cet iPad en mode récupération à partir d'un Mac ou d'un PC grâce au petit utilitaire que voici, que voilà, qui s'appelle Regboot, disponible sur Mac et Windows. Alors on va déjà commencer par télécharger cet utilitaire. Donc là je suis sur un Mac, donc je vais prendre la version Mac, mais vous pouvez prendre la version Windows si vous êtes sous Windows, peu importe. Alors la procédure d'installation diffère un petit peu évidemment sur Mac. On a notre Regboot qui est ici, prêt à être exécuté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher l'iPad. Alors, on envoie notre petit câble Lightning et on va brancher ce même câble sur le Mac et on va autoriser l'iPad. Voilà, on attend l'apparition du message qui demande d'autoriser le périphérique. Voilà, ordinateur de confiance, se fier, eh bien oui, se fier, c'est parti. Alors, vous voyez, je suis obligé de mettre Assistive Touch puisque je n'ai plus de bouton Home. Alors ici, côté Mac, pareil, on va se fier également à l'iPad, pas de souci. On l'a autorisé, voilà. Hop, autoriser l'accès sur votre iPad, c'est en cours. Et maintenant, on va exécuter l'utilitaire Regboot. Alors, provient de développeurs non identifiés, donc que faire lorsque c'est comme ça? On va dans les préférences système, on va ici dans les options sécurité et confidentialité. Et on va forcer le lancement de l'appli en s'assurant que cette case soit cochée. S'il y a uniquement App Store, ça ne marchera pas avec cette technique. Donc il faut bien que soit coché App Store et développeur identifié. Et pour ça, vous cliquez sur le cadenas, vous tapez le mot de passe de votre Mac et vous modifiez ce paramètre. Puis une fois que c'est fait, vous pourrez cliquer sur ouvrir quand même. Donc là, on clique de nouveau sur ouvrir. Et on a cette fois notre petit Regboot qui est là et qui est en train de voir si un device est connecté au Mac. Alors des fois il faut faire ceci, juste débrancher le Lightning, le rebrancher rapidement, voilà, et Regboot se met à reconnaître l'appareil. Alors je clique sur Enter Recovery, et là vous voyez, en fait l'iPad s'est redémarré tout seul, et il est en train de passer en mode Recovery. Voilà, ceci avec le bouton qui était foutu, quoi, en fait, le bouton Home. Et notez que ça marche également si le bouton Power est foutu, ça fonctionne de la même manière, donc ça marche vraiment nickel. Donc voilà, fin du tutoriel pour basculer en mode recovery lorsqu'on a le bouton Power ou le bouton Home qui sont HS. Salut à tous et à bientôt pour de prochains tutoriels.